Et tout le monde s'est fait sur Zelban qui se trouve sur Shida 5 Online du coup. Nouvelle vidéo du coup, où on parlait de le nouvel, on va dire, easter egg qu'il y a sur GTA avec la mise à jour Halloween. Donc c'est la voiture mystère, la voiture tueuse, hein, voilà. Du coup, toutes les informations pour avoir la meilleure chance de spawn. On est déjà, première information, vous devez être dans une session, peu importe, hein, il faut juste être minimum 2. Du coup, vous pouvez être en session publique, session amis, privée ou quoi. Il faut être minimum 2. Ensuite, deuxième info, il faut que la session vous l'ayez rejointe il y a moins de 16 minutes. C'est-à-dire, si vous, comme là, je viens de lancer GTA, là ça fait pas 16 minutes que je suis dans ma session, donc j'ai aucune chance d'avoir la voiture qui spawn. Donc voilà, vous devez attendre minimum 16 minutes. Ensuite, pour le taux de le spawn, ça peut être n'importe où. Franchement, ça peut être n'importe où, que vous soyez là. Ici, peu importe, bon, dans les montagnes, je suis pas très sûr, mais je crois que le plus de chances qu'elle spawn, c'est dans ces. Dans ce. Dans... à Paléto Bay. Mais après, voilà. Moi, j'ai vu, il y en a plein de gens qui l'ont eu en ville. Donc voilà, à voir où ce que vous êtes, et voilà. Ensuite, l'heure. L'heure, il y a une heure précise, c'est entre 21h et 5h du matin que la voiture spawn. Donc voilà. Ensuite, autre info, la voiture ne peut pas être sauvegardée dans un garage. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien qu'on aurait pu la sauvegarder dans notre garage. J'espère que Rockstar vous faire une mise à jour pour ça. Ou même pas une mise à jour, juste qu'on pourra la sauvegarder plus tard dans nos garages. Ça pourrait vraiment être stylé. Et puis voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.